Pointo Yesus Kristo, dia sorak langka lewat sedihku, dia untuk ada mata berela, kita alai, suka kaya lembu, semua ni mata berela. Amin. Makua kata mana pe, kata hoyo sana. Tulang kita mati hari esok. Bapak pastor yang dia ni bisu. Apa dia lagi dalam kehidupan juga. Akhir hari beku. Ikan dan ayam yang suka teriuk itu boh batu sana. Kalau mukrona itu bika. Lalu dia sikat lupa beriakala. Mati yang lain bukan sabisu. Kalau biksa miring mengabisu. Surtout dans le document dans le temps où il y a ce cas. D'accord, nous avons dit, à Zali pour récupérer mon kirinaïe. Il y a moins de 51 épisodes au bord de la mine. Quand on va avoir la vacuum, on a 5 mois, alors que la mission mise. Yeah.
Est-ce que tu as un bon
Du Fils dit Papa Dialunga Nakangani et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Pourquoi nous disons Tata Kimbangu Kuntima Kangani? Parce que il est trois cas. Hein? Il est disposé dans les trois Congo. La tête est à Manza Congo, il y a Kanda. L'abdomen, c'est le Congo RCR, donc démocratique, alors je dirais le paradis où lui-même il a pris forme. Le 18, un certain 1887 plutôt, donc 1887, le 12 septembre, dans un premier temps. Et l'autre cas, c'est le cas du RC où se trouvent ses pieds. Parce qu'il avait dit que moi, Kimbangu, je suis disposé en trois cas. Le Congo-Angola et le Congo-RDC, le Congo-RC. Et quand nous parlons du Congo-RC, nous faisons tout de suite allusion à ce territoire où nous sommes, la France. Hein? Il avait dit tout partira de ce territoire. Et c'est ici que donc, nous venons suivre. On était en direct de Nkamba. En direct, excusez-moi du terme. Mais c'est plutôt en léger différé de quelques heures par rapport à l'oracle de sa divinité. Sa divinité nous a donné son message de paix. Parce que lui, c'est orbite. Quand il parle, il s'adresse à l'humanité entière. Et moi, en tant que messager pour une évolution divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, donc le média, le multimédia de Tata Kimbangu, je viens pour vous apporter ces informations-là. Et là, moi, je voudrais bien marteler, aujourd'hui, on est le 24. C'est l'heure du déjeuner, même si c'est un peu tardi, parce qu'aujourd'hui, j'étais à l'occupation pécuniaire. L'habitude, c'est vers 13h30 où j'interviens, mais là, il est 15h, on est en prière. Et là, tout de suite, si vous voulez bien, il est 15h, je m'en vais partager cette séance avec vous. Tout ça, Mouna zola kwa se, ye mwana, ye tata mwana da villa. Enzambia me, upulosa, mumpila mpasi zi, tuzungi didi. Yavuva mena, musingu kyame, enzilangi, onzambi itomanga. Enzambia me, upulosa, mumpila mpasi zi, tuzungi didi. Yavuva mena, musingu kyame, enzilangi. Onzambi itomanga, enzambia me senfuka mene, pasiza menge yeze yezo, undoloke mumambi mamo, efumu ya sikila, munzwa kuya velela, ndofilikenda donzambia me, efumu ya sikila, munzwa kuya velela. Muna zula kwa seta, ataki solo kile lukelo. Fumoto Yesu Kristo tata lunga na kiangani. Ye tata mwanda vila tata Simone Kimbangu kiangani. Mulumbu kiaki. Kel 6 avril. Bonzo widi muketo dili mkunga. Tata Nzambi. Mutomi sabeto bantu. Nzatu za kumufila kutwena. Mwanda ku Yesu Kristo. Pasivo malawawa na menda betela. Fumoto Yesu Kristo. Ngeye wazola vulu za muntu. Watamu jile lufola nsoni, ye wakoma vananti kumose mivi. Du mwosi muba watuma kusevila, kanti ngeye kwa ufuta di mwosiko. Kadi, wazula kavanga mala wizi nese diaku, kadi muntu kafuto kila diaku na timenu. Muma wansu na mavanga mkumeto mambi, tutumendo za yevo, ngeye zole lufuta la beto bantu, tuwa kala yaku, vaki mwosiko kukala anga yeba longo. Mumutuka kuzulu, wasonga makale yako balongo kibaku. Yoba fila bene mwza ya mvimba.
mon kitu la papa kano se mi kuikizi. Mwa anda vede se akulumuka se kala yeno kanti kalu zayako. Pofazero mwa na mwotu mwina angazo. Mwotu mwina kele savi. Tata zambi. Fumoto Yesu Kristo nge tata mwa anda vede la. Tuze ivo. Tuneba vila vana meso meno. Kadi tuvanga malile mosolanga. Tu fuisa lo sedi veno soni. Kadi tuvoza lo malakani kina. Tu fuka maneva na mahalo meno. Pasivo tamona levo eno. Tutune nembizeto. Kadi beto zayo kimwana kaka. Ukubaka mbizeto bivu kutusakini. Zayo vandiku nuku. Ukubaka mbizeto kutusakini. Ufua. Mbevo. Zimvita. Nsatu yima mpila mpila diaka. Beto katwena yetinu kengako. Ngeye kaka yesu amunu keto. Ututanina. Kadi tu kondolo ndiona wankaka. Linda kala kipo nitko lwenina. Lutu sundi saa mumbite zeto vanza. Sima jilu keto e mfumu kutani masume toko. Kadi tu zedio vo. Ngeye mfumu tu Yesu Kristo. Diwa fui lava nanti. Pasi voto abiko badu manzambi. Tulombe lufa muza ya mvimba. Ku Afrika. Kuku Europe. Kuna Amerika. Kuna Asia. Ye Oseani. Ngeye mwavova. Kavasala tadi. Vanantano atali ya nikoli ni mkungulwa. Tumwini na mzangaka munza. Za kinu kaka muna wisika bantu bankaka. Muna luvuva muu. Ya mula basula kipula wa jati saa. Kadi tumwini fo. Menga mabantu mayidi kidika la zinga. Mukuma kisodi lantu adisi. Jojo jene na mpasibeni. Hidi ya kiadi mpe. Tala. Mubu mafutunu alisa. Beto ya beto na vula sani. Tululombele. Luatu. Katu dila mumuma wonso no. Pasivo, luvuwa muu nuiza munza ya mvimba. Pasivo, makanda yizi ndinga mawiza na. Imomo, tujiko yu natuma longo. Kwa beno, lo kisoke la kwa beto. Beno, lo lunga na kwa beto. Ede tukuntima, tata simagi mungu kia kani fundu maonzo. Onza mbize ngya kanu. Muna wantu wansiona. Jono di langa ike konka, onza mbizo diatsu kami. Kwiza ke kwiza ovanza, kwa njona we na yempasi, una wa ukadidilo, oku yanda langa kape. Onza mbizo diansiona, o yandalanga mosivana bena, o vwala isu ya tololwa, kanti mwafumbula kayu. Kanafo wantu beka wanga, kanti nzambi keka wako. Kadi nzambi waseloka, kwa yeto watani, amin. Yesu kambuza mfumo to Yesu Kristo, tatelelunga na kiangani. Yezula kwa nzambi wasedi yeto, tata kisoke lukelo, muna ntuadu ya mfumo na muanda vila. Tata kimbangu kuntima kira ntumwa maonzo. Amen. Voilà, ma tata ma mama. Merci de votre, en tout cas, de votre disposition, de votre patience et de nous supporter. L'heure de 15h nous est tombée en pleine action. Nous étions en train de monter en Kamba afin que nous soyons en rapport avec sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kyangani, le chef spirituel et représentant légal du Kimbangis, le patron de la quatrième et dernière génération. Et hier, donc, dans son oracle, dans ce temple de Nkamba, où il a parlé, il s'est adressé à l'humanité entière, il lui a demandé un chant, un cantique à mes collègues que j'appelle sur la belle famille, la croix, les dirigeants kimbanguistes, les Sédéki. Et là, il a demandé ce chant-là. Tata Kimbangu Salisa Biso, To Sepela, To Nyokwami, Yo nzenge neke ya pasi na biso, ovandi na biso awa ose. Yo zali nzambe kati na biso, yo zali mosungi oyaki na se.
kata mokano bandimi basepela na kembo na yo ya seko. Ça c'est dans la langue naturelle, donc en lingala. Je vais essayer de transcrire dans la langue de Vosgelard, donc le Molière. Tata Kimbangu, sali sabiso. Donc, Tata Simon Kimbangu, aide-nous. Aide-nous. Pour que nous puissions être dans l'allégresse. Car nous souffrons beaucoup. Yo, Nzengeneke, tu es le témoin. Tu vis nos souffrances. Tu es le témoin de nos souffrances. Ici-bas sur terre. Et tu es avec nous. Ici-bas sur terre. Le refrain. Yo Zali, tu es Dieu parmi nous. Yo, tu es Dieu, le Saint-Esprit dans Tata Kimbangu Kiangani. Tu es notre consolateur, mon Sungi. Tu es venu sur terre pour nous, afin de pouvoir nous guérir. Ou nous récupérer, comme il dirait. Kata Mukanano, dis ton dernier mot. Hein? Tu accomplis tes projets apocalyptiques afin que nous puissions nous réjouir de ce que tu as promis pour nous, car c'est le bonheur que tu as promis pour nous. Voilà ce que sa divinité a demandé à travers les anges de la chorale des dirigeants kimongisme, comme qu'il dirait. Ils sont remplis de beaucoup de cantiques. Balanganzembo, il leur manque rien. Ils ont toutes les cantiques nécessaires, toutes les cantiques nécessaires pour pouvoir. Et Baton Languya, ils ont donc cette capacité spirituelle d'action dans leur action en tant que chorale des dirigeants kimongisme. Voilà ce que leur a dit cette divinité hier concernant le cantique. Mais moi, je viens. Aujourd'hui, on est le 24, je vous ai dit tout à l'heure. Le 24 décembre, c'est pour nous une date. C'est pas les gens vont revenir ici en région parisienne ou en France, quelque part ou dans le monde entier, pour pouvoir célébrer le mitraïsme, c'est-à-dire cette fête luciférique à l'époque, quand ils évoquaient le Dieu Soleil, et ils ont associé ça au Christ. Mais c'est pas la vérité. Christ est venu avec la vérité. Eh ben, il est né en Kamba le 25 mai. On la personne. À Nazareth, on l'appelait Jésus, mais quand il est revenu, il est venu accomplir ce devoir dont c'était attelé pour restaurer l'humanité sur les premières. On a personne ne peut pas dire Lungana Kiangani. Et donc, c'est un jour aussi spécial parce que vous savez que en ce jour, il s'est passé un événement en 1959 en République du Congo. À l'époque, la République démocratique du Congo, à l'époque, ça s'appelait République du Congo simplement. Papa Simon Kimbangu. Le Christ Jésus lui confie la charge de ramener le centième brebis, lui qui n'avait pas pu faire rentrer là-bas à Nazareth. Ce centième brebis là, c'est celui qui a pris le qualificatif de noir, c'est-à-dire en latin qui veut dire négro, et qui veut dire négro veut dire le rebut de l'humanité, objet de peu de valeur. Et donc, Tata Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, il commence son ministère public a fait effectivement de ramener ce brebis égaré. Il dit, c'est un bâtisseur, c'est lui l'architecte, le grand architecte de l'univers, qui a fait la matière, qui a fait toute chose. Mais à un moment donné, parmi les briques, quand il a agencé son mur de maison, eh ben, il y a une pierre qui était là rejetée, qui n'avait pas d'importance, il avait rejeté cela. Et cette pierre là, après, il se rend compte, papa Simon dit, non, mais la pierre là, je n'ai besoin. Il va le récupérer et ça devient la personne de l'angle. Cette pierre-là, c'est Kanadia Vuezoka. Kanadia Vuezoka. Donc, on était le rebut de l'humanité. Mais pas Simon Kimbangu. Donc, le 6 avril 1921, il commence son action ministérielle pour restaurer l'humanité dont son état promis. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dit toujours, avant de parler des choses nouvelles, on va d'abord parler des choses anciennes. Dans les premiers, dans l'ancien temps, quand le Christ Jésus, quand il vient sur terre, à Nazareth, il est victime de la démocratie. Je m'explique. À l'époque, ses contemporains, qui étaient avec lui, n'ont pas compris son action. Ils ont comploté contre lui. Jusqu'à ce que je dis bien, il était victime de la démocratie, le démon qui crache. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, était victime de la démocratie. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique pourquoi. Le référendum que Hérode, Ponce Pilate organise, mais c'est un vote à la majorité.
C'est ça la démocratie. Tu prends le pouvoir par rapport à la loi majoritaire. Et bien le Christ Jésus est victime de la démocratie. Ils n'ont pas compris son message. Mais il dit, moi je fais ma volonté de mon père. Je pars. Et sur le mont Golgotha, il y a un Africain. Un mystère survint en route de Golgotha, où le Christ devait mourir. Est apparu un être africain que l'on prit de force pour porter la croix derrière Jésus. Oh Dieu, au secours de son divin fils. Eh oui, papa Simon Kimbangu vient donner le coup de main à son fils, le Christ Jésus. Il porte la croix qui l'amène jusqu'à Golgotha. Donc, papa Simon Kimbangu Kiangani vient aider papa Dialungana à porter la croix. De son divin, oui, tata Kimbangu, nous t'avons reconnu. Au Golgotha de Judas, Kimbangu était présent. Akamba du Congo. Voilà! Tata Simon Kimbangu. Et donc, il faut la remise et reprise. Eh bien, le 6 avril, il commence la nuit du 5 au 6. Le Christ dit, malgré qu'il avait l'énergie, il essayait de fuir. Il avait fui, il ne voulait pas se militer, il ne voulait pas travailler. Mais, fin de fin, il s'est soumis. Eh bien, il a commencé sa mission. Le 6 avril, il commence son action de la restauration de l'humanité dans son état premier. Je vous ai déjà évoqué cela dans le domaine de différents médias qui antérieurs. Pourquoi le papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, prend forme physique? Nous avions l'évoque de Corona d'autres là. Ah Kimbangu, oui, ils avons fini la moine. Ah Kimbangu, nous avions le Corona, on l'appelle Nzabian Pukutulendo, Dezo. Ah oui, ils avons fini la moine. Quand là-bas en Congo d'Adjoté, là, quand l'enfant avait, la famille avait des familles avec des problèmes d'enfants, de mourner, ils évoquaient cet esprit de foulant qui manque fou la moine. Ils commencent au ministère. Mais le colon, papa Simon Kimbangu les a qualifiés les individus du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser en utilisant nos colonisateurs. De la même manière, le Christ Jésus, victime de ces gens-là, les Sadducéens, les scribes, les grands docteurs de la loi. Pareil, en 1921, Tata Simon Kimbangu, ceux-là même qui sont venus apporter cette parole de Dieu, paraît-il, les jésuites, les capucins, ceux qui ont baptisé mon ancêtre à Banza Congo, où nous perdîmes notre capacité d'action spirituelle et nous étions vendus au Vatican, dans le catholicisme romain. Bref, eh bien, les mêmes individus du monde des ténèbres qui agissent en Jésus là-bas à Nazareth, Matekakala, Makaladiaka. Ce qui s'est passé par le. Ce qui s'est passé, c'est encore produit de nouveau. Hein? Matekakala, Makaladiaka. Parce que lui, il sait jamais. Il est jamais fatigué. Mais excusez-moi, l'outil de travail est un peu rédhibitoire. Bref. Eh bien, Tata Simon Kimbangu. Malgré cet empêchement, eh ben, il continue ça. Et le colon ne veut pas le reconnaître. 37 000 familles furent déportées pour cela. 150 000 martyrs. Et le symbole qu'il y a aujourd'hui. Vous avez le Saint-Temple d'Nkamba, c'est le temple d'Nkamba à 37 000 places. Et fin de fin, le 24 décembre, aujourd'hui, on est en l'an 2018. Si vous faites 1959, eh ben, le colon reconnaît Tata Kimbangu. L'esprit de Tata Kimbangu est finalement reconnu 58 ans aujourd'hui. Et là, les anges sont des cieux qui ne laissent jamais. Ils viennent nous donner des informations. Ils disent quoi? Et là, je me fais appel. Il dit, Gombomos, le groupe théâtral qui m'ont dit, qui est né au ce jour d'aujourd'hui, anniversaire,
Papa Simbangimbangu dit, j'étais qui, moi, Kimbangu? Finalement. Parce que j'ai commencé le 6 avril. Vous ne voulez pas me reconnaître. Et là, finalement, vous m'avez pas reconnu? Il dira, j'étais qui? Nani Akalamono Kimbangu? C'est notre Hollywood. C'est le comme eux, ils disent, la comédie. Comme c'est eux qui nous matérialisent l'action spirituelle à travers les scènes, les scénettes, les comédies. Je veux dire les comédies, donc les scènes, les scénettes, le théâtre. Ils théâtralisent le spirituel. Hier, vous avez vu à la paroisse pilote de l'Europe, où comment ils ont se livré le temps de Kimbangu. Allez sur mon compte, je dis que c'est disponible. Le temps de Kimbangu. Tango yo! C'est le temps de Jonathan Kimbangu Kangani. Pour préciser. Parce que quand ils parlent de Kimbangu, Fumo Kimbangu, ils ne le connaissent même pas. Hein? Ils ont seulement mis, là où ils mettaient Yahweh, ils mettaient Alléluia, Amen, ils mettaient ils mis le Kimbangu. Mais il faut l'appeler son nom propre. Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu Kangani. On va savoir qui est qui. Il hein? Faut prononcer le nom complet. D'ailleurs, moi, je dis que Tata Kimbangu Kutima Kangani, le 3 en 1. Voilà. Voilà mes chers amis. Et donc, aujourd'hui, on date d'anniversaire. Et le cantique. Donne-moi un chargeur. Tata Kimbangu. Chargeur quoi? Tata Kimbangu, Dieu qui fait la déclaration. À travers ses anges. Groupe théâtral Kimbangis. Kemela Lumbukia Kikabundu Dieto Diakani Kinoa Diyambudulu. Wamindele miakutu bangika Kimbangiste kembimbila Kembela lumukia kikia bundu jeto Jaka nikinwa Diyambudulu Wamindele bakutu bangika Kimbangiste kembimbila Bundwe di Iba bene diampa di futika Makanda mamo Ditwa duswa Kwanza mia moyo Kimbangu kyangani Simoni dia keleka Kembela Lumbu kya kikya bundu jeto Jaka nikinwa Diyambudulu Wamindele miakutu bangika Kimbangiste imbila Budwe di Ibabele diampadi kutika Makanda mamo Dija ditwa duswa Kwanza nyamoyo Kimbangu kyangani Simoni dia kieleka Inga tata simo Nungini Bundu jani diabalong Inga tata simo Nungini Bundu jani diabalong Ondi vongile Waiza Muna kulenza mwamambi Pasivo tuwa kembela Waiza Muna katula ndombe mukiwa Ikiambika kelenge Bundu jani Ijijati senza ya mbimba Muna vuvika yo yeah. Donc le cantique, le chant des anges. Nos collègues qui n'ont pas pu pris cette carapace physique, qui sont dans les cieux, sont venus disposer ce message en ce jour du 24 décembre de la reconnaissance par le gouvernement colonial belge, la magie de Bâle. Je ne sais pas qui se lequel dira la Belgique me doit. Le 17 avril 1992, en 92, avant de se transfigurer, pour les asseoir en Kamba, son siège international, son siège, papa qui est sous le regardez, le voilà. Quand il s'assoit,